Donc c'est bon, il a fini de les créer l'autre là-bas, les... Ouais, enfin il a... Ouais, là, il n'y a plus de demande, il est en train de remplir... Il est en train de remplir. Bon, très bien. Le compresseur, on va le mettre là. Quoique... Ça, on va le déplacer. Je reprends de la winch. Et donc le compresseur ici. Le compresseur qui va prendre pareil un... On va essayer de le poser comme ça. Moment. Ah d'accord, ok, carrément. Pas de soucis, je me suis téléporté. Alors, il me faut donc ça. Ok, ça, il va me falloir du... Alors, il va me falloir un apporteur. Qu'on va mettre là sur le côté. Pas un souci. Et il va me falloir encore des câbles. Hop. Hop. Et hop. Bon. Donc ça va me créer les trucs. Donc là, si je lui demande de me requester, c'est MF MFE. Ben, c'est pas ça que je t'ai demandé de créer. Ah si, un énergie cristal. Alors par contre, il me manque les upgrades. Ah, bah j'ai plus... Si, là, c'est plus d'upgrade. Bah, c'est bien ce que j'ai demandé. Donc, Energium Dust. Donc ça, c'est bien relié à mon réseau. Donc normalement, ça, il est censé le détecter, hein. Il est censé détecter qu'il est capable de le faire. Non, il veut pas. Pourtant, il est bien relié. Faut un d'énergie cristal. Enfin, c'est. C'est parce qu'ils veulent le créer vide. Ça, on le sait. Est-ce que c'est parce que dans mon craft... Attendez, dans ce cas... Parce que là, l'énergie cristal, je peux en créer, donc bah, j'en crée un. Ça, en soi, je peux vérifier maintenant, hein, que ce soit parti, mais... Voilà. Donc, il a été pulvériser le diamant, il a été faire tout ce qu'il fallait. J'avais dit que ici, je récupérais les upgrades. Ok, donc là, mon énergie, je l'ai. Et à mon avis, ça doit être le craft du MFSU qui est pas bon. Enfin, du MF. Ça doit être ce craft-là qui est pas bon. Parce qu'à mon avis, il doit attendre des énergies cristal qui sont complets. Or, ils seront pas complets. À mon avis, c'est ça le problème. Donc, MFE. Oui, pas en processing. MFE. Ah non, c'est bon. Ils sont vides là.
C'est un peu dommage qu'on puisse pas revoir le craft réellement, comment il a été constitué. Mais là, si je demande à MF. Non, il veut pas. Alors, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je peux rajouter un autre craft. À mon avis, je sais pourquoi ça coince. Il me faut. Je fais un test, hein. Mais si je prends mon énergie cristal, que je le fous dans la bad box. Non, il veut pas là. Là alors. Non plus, tu veux pas me le remplir. Tu veux pas me l'alimenter d'une manière ou d'une autre. Ah, attendez, tant que j'y suis. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça ira plus vite. Je peux pas le. Et si je l'envoie dans un. Hop. Je sais que normalement c'est pas compatible. Alors c'est pas compatible avec l'énergétique infuseur de Thermal Expansion. Ok, alors là je suis ennuyé. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faudrait en fait que je. À mon avis, que je le remplisse d'énergie. Putain, puis c'est 1 million de U, quoi. Nique-toi. Non, bah, c'est pas grave. On va faire le craft manuellement, c'est pas grave. Donc, il me faut des. Enfin, manuellement. On va quand même faire les. Voilà. Les trois qui me manquent. Et on va le faire un petit peu à l'ancienne pour le coup. Toute façon, il nous en faut qu'un. Pour le moment, il nous en faut qu'un. Donc, j'en ai un deuxième qui est créé. Il me manque un truc au milieu. Qu'est-ce qui me manque? Oui, il me manque le Basic Machine Casing. Ok. Alors, petit test avant. Quand je le pose, la sortie, elle est en face de moi. Donc, ok. Il va falloir que je me mette comme ça pour la poser. Voilà. Et la question c'est maintenant si je lui demande, admettons hein, que je lui demande une énergie, donc il devrait arriver par là. Je l'entends derrière moi, voilà. La question si je l'envoie ici, non, là. Là, il est capable de me le remplir. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je décalerai pas ces tuyaux-là? Je mettrai un crafter et un exporteur. Je me débrouillerai
Bah, un crafter au-dessus, un exporteur derrière. Pour y coller le craft en fait de il faut me remplir les cristaux là. Parce que je suis sûr que si lui il est rempli, ça résout les problèmes. Alors par contre ça saute. Ah, ça plante. Ça par contre ça doit me consommer masse de. Masse de. De lave. Excusez-moi, ça fait des trucs bizarres à l'écran. Je bug un peu. Ça bouffe un peu, ça bouffe un peu. C'est pas non plus un saut par seconde, mais ah, c'est bon, on peut tenir. On peut tenir largement. C'est largement. Après, je peux faire un autre lava fabricator, hein, c'est pas ça qui. Je peux même le foutre là. Hein. Foutre un lava fabricator ici qui va injecter directement dans le géothermal générateur, ça c'est faisable. C'est pas ça qui. Mais oui, je pense qu'on va. On va bouger ça. On va remettre un crafter. Il y a quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. On va mettre un crafter. On va mettre un importeur. On va câbler ça. Et on roule ma poule, hein. Ça, hein. C'est carrément. Enfin, je pense que c'est. Ça va être plus simple. Hein. Donc, il me faut un importeur à l'arrière. Un crafter au-dessus. Alors, je vais le mettre comme ça, puis je vais le mettre à côté. Voilà. De toute façon ici. Ici et on va essayer de mettre un câble là-bas sur le côté là. Non, c'est pas ce câble là qu'il fallait que je mette. Ah bah oui, j'ai mis un. Excusez-moi. N'importe quoi. C'est un câble qu'il fallait. Un câble là, histoire de relier ce truc-là et l'importeur. Donc là, on a tout. Et donc là, il me faut une nouvelle processing. Ah oui, mais. Ah oui. Le truc, c'est que là, ça va être long parce qu'il faut au moins que je charge un truc. Alors, ce sera vraiment si jamais j'ai besoin d'un autre MFSU, quoi, que je puisse. Mais là, hop. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Eh ben, on va. c'est un énergie. Il est là. Voilà. Il va falloir le charger, hein. Il va mettre du temps à ça. Ok. Donc ça c'est ok. Ensuite, donc ça c'est réglé. J'en aurai plus besoin tout de suite. J'avais besoin de. Attendez, j'avais besoin de cet upgrade, ce truc-là. Voilà, au moins c'est fait. Oui, il va falloir que je le réalimente en énergie aussi, il va falloir que je remette les tuyaux d'eau.
Pourquoi commencer par la flotte? Évidemment, il n'y a plus assez de free duct. L'énergie, c'est la même. Ok, bon, on a un peu de process ici. Bon, ici, résultat, à mettre du temps. Mais il me faut un énergie cristal de rempli. Après la bad box, voilà. Bon, c'est tout. Il a gardé son storage apparemment. Je vois 32K dedans. Il a gardé son storage, donc bon, si jamais. Moi, du moment que ma lave elle tient, c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais ça pousse sévère quand même, hein. Après, bon. Après, le reste va tenir, hein, de toute façon. Hein. Après tout, j'arrive bien à alimenter mon Infinity Drill. Bon, là, j'ai pas mis l'upgrade qui bouffe tout, mais voilà. Bon. Ça, donc maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. On peut mettre le recycleur. Il me faut juste les gold machin là. Mais en soi, je suis en train de me dire un truc. On va plutôt faire comme ça. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. Alors ça c'est un peu chiant, je sais pas pourquoi quand je suis au sol en fait ma pioche est trop puissante et le serveur arrive même pas à suivre en fait. Ok. Donc là je vais pouvoir mettre des import bus en dessous. Là je peux en mettre 3. 4, 5. Ouais, c'est bien ça. Bien 5. Et donc on va mettre nos recy enfin un recycleur pour commencer. Donc on va pouvoir mettre. Ah, alors comment on fait ça? La question c'est comment on fait ça? Parce qu'un exporteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça peut prendre 9. Je suis en train de réfléchir si je mettrais pas un create au-dessus. En fait, avec un item duct et un signalum cerveau. Et comme ça, je peux mettre jusqu'à 5 importeurs. Ça fait 5 x 9, ça fait 45 items qui peuvent être recyclés. Alors non, ça fait pas ça. Ça fait que je peux en mettre 4. Non, même pas. Je peux en mettre. Ouais, je peux en mettre entre 3 et 4 sur chaque create. Parce qu'après ils vont être alignés les crates. On peut envisager ça. On peut envisager ça. Je vais prendre des items duct. Oh, bon, il n'y a pas grand chose. Hop. Puis, on peut envisager ça comme ça. Donc là, j'injecte dans mes.
Voilà, ce qui fait que ben, j'ai mes create par-dessus. Je mets, alors ça c'est un importeur. Alors là, les importeurs justement, tant que je les ai en main, ils viendraient donc en dessous. Bon, pour le moment, je vais les mettre comme ça. 2, 3, 4 et un cinquième. Voilà, je vais tout de suite leur donner un petit coup de clé pour bien les placer. Ok, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ok. Voilà, comme ça, je peux mettre mes 4 recycleurs comme ça. Là, il me faut des signalums. J'aurais plus besoin de ça. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire, c'est mettre. En fait, entourer ces create d'exporteurs pour gérer tout ce que je veux, tout ce que je veux recycler. Donc, je crée 4 autres recycleurs. On va prévoir du recyclage de masse, hein. Recycleur. Donc, j'ai dit 4. Il gueule pas, donc il est capable de me les faire. Il va les faire, hein. Il y a du verre à faire cuire, il y a des trucs comme ça, donc ça prendra le temps qu'il faut. Mais on peut faire ça. Et ça, c'est très long. Donc si je dois faire un deuxième MFE, ah, quelque part, faudra mieux le faire en manuel. Parce que le temps de faire de charger les cristaux, c'est un enfer. Pour le craft automatique, il faut en fait que les cristaux soient chargés, je pense. Parce que c'est pour ça qu'ils gueulent. Eh merde! Et voilà, j'ai une machine qui a pété. C'est le. Parce que j'ai pas mis les upgrades qu'il fallait. Donc on va attendre un petit peu avant de le. Avant de l'alimenter. On va casser ça. Mais c'est parce que j'avais trop, enfin j'avais pas mis le. Parce que je pense que sans ça, en vrai, il peut pas tenir. Mais avant, j'avais un truc pour voir Power Tier 5. Ouais, c'est ça. Là, j'ai Power Tier 5. Bon bah j'avais simplement pas mis Bon il va me manquer un. Il va me manquer un. Un recycleur. J'en ai 4, il va me manquer un. Faut d'abord que je les upgrade. Faut d'abord que je les upgrade avant de débrancher, parce que sinon Là ça pète.
Ok, donc 4. Ouais, bon. De mémoire, ça fonctionne, hein. De mémoire, ça, c'est suffisant pour ne pas les faire péter. Alors, par contre, ça pète même si les chunks sont claim. Ça, c'est intéressant à savoir. Où en est mon dernier recycleur? Je l'ai. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ah bah oui, il est pas. Donc ça c'est ok. Il va falloir que j'enlève le. C'est quand j'ai enlevé ça. C'est quand j'ai enlevé ça, eux ils ont pris. Et le truc c'est est-ce que. Parce que pour le coup ils ont reçu vraiment beaucoup d'énergie et ils et c'est là qu'ils. Ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient pas tenir la charge. Bien, bah écoutez, bon, pour le moment. Allez, on va mettre quelques exporteurs. Là, pour le moment, on va mettre qu'au-dessus. En vrai, je suis en train de me dire. Je vais peut-être descendre le câble qui est là. Ça va me faire économiser de. Ça va me faire économiser du câble. Je pars d'ici et je remonte. Voilà. Et donc là, je peux casser ça. Et là, je peux casser tout ce. Je peux casser tout ça. L'avoir, c'est aussi. Ouais, c'est obligé d'être relié comme ça. C'est pas grave. Et donc là, de toute façon, voilà, tout est alimenté et j'ai accès à tout. Et donc là, si je veux, ben je n'ai qu'à. Tiens, d'ailleurs, on va déjà mettre ces upgrades. Non, en fait, faut carrément que je mette les stacks.
Je vais mettre 3 upgrades à chaque fois, il faudra que je mette les stack upgrades. Ok, et je vais aller chercher mes stack upgrades. Voilà. Et donc là, si je vais. Alors, si par exemple, je prends mon Astral Sorcery, là, mes trucs d'Astral Sorcery, là, que de toute façon, je ne me servirai pas. Je vais les importer dans mon système. Hop, donc ça part dans Raffinade. Et là, ici, je fais. Pareil, j'importe. J'exporte ça. Donc ça va arriver. Ça devrait pas tarder à arriver. En soi, ouais, non, c'est ça. Alors oui, par contre, ce qu'on va faire rapidement, c'est... je vais cloisonner. Quoi, qu'est-ce que c'est nécessaire? Ouais, je vais cloisonner. On cloisonnera à terme. À terme, on cloisonnera. Il va falloir que je trie ce que je lui demande de d'exporter. Mais pourquoi il... C'est étrange. Et c'est parti. Et il n'y a rien qui... C'est en train de partir. De toute façon, avec l'autre Astral Sorcery, je vais faire la même chose. Ah, je les entends, non? Ah non, c'est les autres pulvériseurs. C'est pas grave. Ici, hop, le second Astral Sorcery, y a pas de souci, je vais faire comme ça. Ouais, alors là il n'y a pas d'énergie qui arrive parce que j'ai le c'est le prix de cristal là. En soi, voilà, hein, c'est ce qui va se passer, hein, parce que voilà. Et résultat, je vais faire du scrap. Alors là, il va falloir que je passe du temps à trier, résultat, ce dont je n'ai absolument pas besoin, qui m'encombre. Je pense notamment à tout ce qui est biome plenty. Je peux faire une recherche, je crois, par. Mais oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. On va. Un peu l'inventaire. Zut, ça fallait pas que ça parte, c'est pas grave. Et on va prendre. Alors j'ai fait le Biome Finder, apparemment il marche pas en 1.12. Alors si le Pile of Ash par contre il va me servir. Parce qu'avec ça je peux faire du charbon. Je le sais. Donc hop. Ah d'accord, je peux pas faire ça. Ok, d'accord. Dans le genre emmerdeur. Le topaz, non. Et l'amber, je ne l'ai pas non plus. Celui-là non plus. Ça, c'est quoi ça?
L'Under Amethyst. Ouais, c'est l'Under Amethyst, c'est juste que je l'ai pas. Il n'a pas été pulvérisé. Je vérifie que j'en ai pas un en doublon. C'est ça. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, c'est bien ça. 5 en haut, 3. 5 en haut, 3. Hein? Ah oui, il y a les Chunk of Flesh aussi. Ouais. Mais voilà. C'est bon, j'ai 4 en haut, 4 en bas. Ce sont les 8. Biome Openty, on va utiliser celui-là. Fleur, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah d'accord, ok. On va mettre un petit muffler. Ouais, un petit muffler, parce que là c'est juste infernal. Pas sensible au muffler. Cet enfer. Cet enfer. Oh merde. Ah, oh, c'est pas sensible au muffler. Industrial Craft est pas sensible au muffler. Cet enfer. Oh, je vais mourir. Mais c'est infernal, j'arrête pas de bosser ici. Je veux crever. Ah, cette horreur. Oh là 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 là. Bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, oh, je me déteste. Et on va voir si on peut pas. Ouais, mais c'est chiant là. Je suis désolé, on va supporter 2 minutes, mais. En même temps, j'ai l'impression que les transferts. Je vais mettre un peu plus de transferts, hein, parce que. Parce que là, ça suit pas du tout, là. Avec plus de transferts, est-ce qu'il horreur. Alors l'avantage c'est que je peux tout arrêter d'un coup. Attendez, je regarde un truc. Voilà, je peux pas le poser. L'avantage c'est que j'ai qu'à faire ça. Le silence. Bon, par contre, résultat, j'ai mes. Ah ouais. Logique, hein. Logique, logique. Lui, il est full. Parce que Biome Plenty, voilà quoi. J'ai rempli le merdier. Bon. Question, là, il est en tier 9. Oui, bah oui, c'est ça. J'ai mes 8 upgrades. Par exemple, là c'est parti. Lui, il a pas de soucis. Je commence à me dire que. J'ai l'impression que c'est quand il.
C'est ça, c'est quand il déraille. Bon. On va enlever les 4 upgrades et à mon avis, faut pas qu'on mette 4 upgrades là-dedans. Sinon, il pète un peu. Donc on va voir jusqu'à combien il peut prendre. Oh, ça a l'air d'aller. En vrai, non, 4 ça va. Faut juste par contre qu'il soit plein quand on... Ah, quoi que c'est vite dit, hein. J'ai l'impression que c'est vite dit 4, hein. Faudrait quasiment que je laisse à 3, je pense. Ok, c'est si je les mets tous à 3 que ça va pas. Enfin, c'est si je les mets tous à 4 que ça va pas. Là, ils ont l'air de réussir à tenir la charge. Mais en vrai, c'est parce que il y a lui qui arrive pas à tenir la charge surtout. Question, si je lui dis. Régler des modes. Là, c'est marqué do not output énergie, mais j'ai mis quand même quoi. Mais non, à mon avis, faut que. Limite spatiale fluide. À mon avis, faut que je mette une redstone. Faut que je mette un petit bloc de. Le problème, c'est que j'ai pas la place pour le mettre là. Là, il y a que là que je peux mettre. N'envoie pas d'énergie tant que t'es pas plein. Ok. Bon, là j'envoie. Envoie seulement si tu es plein. Envoie si tu es partiellement vide. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air complexe quand même, hein. Pour le moment.
En fait, on va le laisser se remplir. Tant pis, hein, je. Mais on a ce qu'il faut. Et donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai du scrap. J'ai du scrap. 395. Ok. Donc ça, c'est une chose. Et on va refaire le même système que pour Appliyed. Que pour. Pas pour Appliyed, pour. Pour Direwolf 1, c'est-à-dire un dispenser qui va avec une cloque qui va demander, qui va request automatiquement des scrapbox. On va faire ça. Donc déjà, on va faire le craft du scrapbox. Hein, c'est pas un souci. Tiens, hop, juste là, c'est pas très compliqué. Voilà, ça, on va envoyer là. Il va me falloir un dispenser. Je crois que j'ai le craft ou j'en ai en stock. Tout simplement. Hop. Il va me falloir un timer. Super. Hop. Il va me falloir du câble, toujours. Hop, 22, ça risque d'être un peu court. Refais-moi un stack. Il va me falloir un exporteur. Il va me falloir un exporteur avec les upgrades adéquates, à savoir qu'il va me falloir une crafting upgrade, un stack upgrade et des accélérateurs, donc des speed upgrades. Et vu que j'ai plus de speed upgrade, on en recraft. Très bien. Il va me falloir un importeur. Va me falloir un importeur, mais il va aussi me falloir un hopper. Un hopper. Et un hopper, je n'en ai plus en stock. Et je n'ai pas fait le craft non plus. Remarque. Ah zut, HOP, hop, et ben j'en profitais, je vais faire le craft tout de suite. Comme ça il saura le faire. J'ai pas de chest. Ok. Et on va les coller là-bas pour ça. Ça rame un peu du cul. Alors, je vais prendre le risque. C'est de coller ça là. Ça rame du cul, ça rame du cul, c'est un enfer. Je sais pas comment ça se fait là, j'ai une perte de FPS, résultat. Industrial Craft, c'est vraiment un enfer. Mais bon. Ouais, dès que je regarde Industrial Craft, et là, mes FPS sont nickel. Là, c'est un enfer. Là, je tourne à 15 FPS et si je te regarde par là, si je regarde par là, ça revient. Là, je suis fluide. Et dès que je regarde Industrial Craft, c'est un enfer. Ah, sortez-moi de là. Bon, des blocs. On va prendre. Ben, des slabs. On va prendre des slabs, pas de soucis. Hop. Comme ça, on peut faire. Comme ça.
J'arrive même pas à décoller quand je regarde Industrial Craft. C'est quand même assez dingue. Ok. Alors, j'ignore si c'est suffisant. Donc, on va rajouter juste 2 dalles là. Parce que ça a propulsé contre ça. Ensuite, il me faut le timer. Ouais, qu'on va coller à 100. Il est en off, c'est ça? Non, on. Done. Ouais, ben non. Non, mets-le-moi à 10. Voilà. Bon, on a un muffler pas loin, donc c'est l'avantage, c'est qu'on va pas trop l'entendre. Et donc là, il me faut en dessous un importeur. Et au-dessus un exporteur. Donc ici, l'importeur. Ici, l'exporteur. Alors, pour le moment, l'importeur. Oh bah non, tant pis, on va laisser comme ça pour le moment. Et on va lui. Donc il y a le crafting par stack. Et de Speed of Blade. Et il me faut la Scrapbox. Ah. Ah non, bah oui, je suis bête. C'est pas le craft de la Scrapbox qu'il me faut. C'est une Scrapbox. Ouh, cet enfer par là. C'est niveau FPS, c'est un enfer. Hop, donc la petite Scrapbox ici. Et on va faire le hopper aussi. On va, résultat, request une scrapbox. Voilà. Et donc là, on va pouvoir lui dire ici, tu m'exportes des scrapbox. Et je sais pas s'il y a quelque chose que t'as pas compris. Quelque chose qu'il a pas compris ou... J'exporte, je demande à ce qu'il le craft par stack avec des speeds. Normalement, c'est censé arriver, hein. Est-ce que je suis un poil trop loin et qu'il ne l'arrive pas à détecter? Il y a eu une requête là. Au moment où j'ai quitté, il y a eu une requête. Non, non, c'est des demandes de... Alors ça, c'est étrange. Parce que là-bas, ça marche nickel, hein. Là, ça marche nickel quand je lui demande d'importer par stack du lapis. Il n'y a pas de souci, hein. Est-ce que... Ah, attendez. Non, il n'y a pas de raison. Non, non, j'ai bien mis les upgrades ici. La Scrapbox, c'est bon.
Donc là c'est bon, et donc là si je lui dis mets-toi en on et vas-y. Alors là, je vois pas pourquoi. Est-ce que c'est le mode